Ton gâteau est vraiment magnifique. Joyeuse fête des mères. Merci, c'est gentil, Zou. Ta carte est très belle. Tu veux le goûter, maman? Eh bien, il y a d'autres mamans dans la maison. Nous devrions peut-être leur demander si elles en veulent. Quelles autres mamans? Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête, maman. Joyeuse fête des mères. Hourra! Quel gâteau magnifique! C'est Zou qui l'a fait. Ah, dans ce cas, viens me voir, mon petit Zou. Explorateur, j'ai suivi une piste secrète. Époque était un monstre qui se cachait dans une grotte. Mais au lieu de me faire peur, il m'a fait rire. Je suis contente que tu te sois amusée, Zou. Mais tu as vraiment mis du bazar partout dans la maison. Tu ne crois pas qu'il serait grand temps de ranger tout ça maintenant? Oh, mais on allait explorer d'autres endroits. Si tu me promets de ranger tout ce que tu as mis en désordre, je te promets que je t'emmènerai au parc. Au parc? Oh oui, chouette! Promis? Oui, maman, je te promets de tout ranger. Bon, je dois aller faire quelques courses. Tâche de tout remettre en ordre avant que je revienne. Je n'en ai pas pour longtemps. Zou, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air contrariée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je refuse de mettre un tutu. Tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, je ne sais pas danser. Pointé, plié, pointé, pointé, plié. Oh, mon Zou. Tu ne crois pas que tu aurais dû y penser avant de dire n'importe quoi à Zinia? Les pommes de terre! Les pommes de terre! Les pommes de terre! Zou, est-ce que tout va bien? Oui, très bien, maman. Papy et moi, on va ramasser nos pommes de terre aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Celles que vous avez plantées au printemps. Oui, elles sont prêtes pour la récolte. On va faire de la purée et aussi des frites et des pommes de terre sautées. Ouais, les pommes de terre! Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Des pommes de terre? C'était pour rire, Zou. Ah. Zou, je suis prête. Viens, on va être en retard. Mon Zou? Te voilà, Poc. On s'est cachés tous les deux au même endroit. Mon Zou, vous êtes là tous les deux? Eh bien, faut y aller maintenant. Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais. Évidemment, ce n'est pas dans ton bras qu'il va te planter une grosse aiguille. Allons, Zou, ce n'est pas si terrible que ça. Si, c'est même encore pire. Tiens, Poc, tu vas venir avec nous. Comme ça, le docteur pourra t'examiner, toi aussi. Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi. Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux. Nous le faisons tous. Regardez comme Azinia était mignonne quand elle était petite. Elle n'a pas beaucoup changé. Oh, maman! Qu'elle est mignonne! Tu sais, maman, tu peux garder mon hochet ici si tu veux. Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou. Je garde tous mes souvenirs de toi petit dans cette boîte. Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi. Oh, ce portrait est vraiment adorable. Et tu sais quoi, mon Zou? Quoi? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand. Merci, Zou. Ton dessin est superbe.
c'est pour tous ceux que j'aime. Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressée tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Oh. Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de « Un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau » Oui, mais je préfère mon titre à moi. Oh non! J'ai oublié de finir de ranger comme je l'avais promis. Je dois terminer avant que maman ne revienne. Et voilà le travail. Zou? Mais j'ai rangé ma chambre. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracalabra. Wow, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Hé, maman, il est à qui ce vélo? Il est vraiment sale. C'est le mien, mais il n'a pas servi depuis longtemps. Et j'ai bien envie de le revendre. L'eau de ton seau est toute noire. Ah oui, t'as raison, je devrais la changer. Laisse, maman, je vais le faire. Merci, mon Zou.